Hey yo tout le monde, c'est Flamme. Aujourd'hui on se retrouve avec un abonné qui est aussi en Doppler. Vous avez toute sa config en description si vous voulez voir. Voilà, donc là j'ai pris sa moto. Lui il est avec la mienne. Quoi? Ouais, ça va? L'embrayage en vrai c'est bon. Mais elle est facile, ouais, conduire, c'est abusé. Ouais, ouais, vraiment. Franchement, il marche bien. Lui, il est neuf, son Doppler. Ouais, il est tout neuf, il a 500 bornes. Oh, c'est abusé, les gars, le pot Doppler, comme il fait pas de bruit. Là, par rapport au mien, ça fait pas de bruit, quoi. Mais après, peut-être que c'est normal. Hein. Peut-être que c'est moi qui fais trop de bruit. Ce pot, il a beaucoup plus de coupe que le Vauquin, en tout cas. Il a beaucoup plus de coupe. J'ai l'impression qu'il marche moins dans les tours, mais oui, il a plus de coupe. Bon, les gars, je fais cette petite vidéo là pour attendre le 88. Hein. Il faut que je change de guidon aussi, il est trop petit le mien. Oh putain les flics! Bonjour! Là, je l'ai un peu appauvri pour l'été là. J'ai baissé 3 points gicleur principal. Mais j'ai encore sur mon bas régime qui est pauvre. Mais bon, c'est le bas régime, c'est moins important que le haut. C'est stylé. Vas-y. Là. Quoi, vas-y. D'ailleurs, je vais bientôt mettre les jantes noires, les jantes anodisées noires. Du coup, elles seront en meilleur état que celles que j'ai là. Vas-y. Allez, j'ai calé en descente roulée, hein. On économise. On va même le doubler. On ne sait jamais. Ils sont H24 posés en bas normalement. Après j'ai fait un départ vraiment de merde, j'ai jamais fait un départ aussi pourri. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec l'embrayage.
C'est tendu en vrai, ça va. Franchement, on est vraiment proche. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Et après, on pointe et ouais. Et ouais, c'est ça. Et ils sont vénères, les gens ici. Et ouais, c'est sûr.